Burt Goldman et Ove Schstedt, La méthode Silva de mieux en mieux Samedi Pour la première fois de la semaine, le cours commençait le matin et c'était une curieuse impression, comme pour bien marquer la différence. Burt arriva lui-même très en avance. En entrant dans la salle, je m'assurai d'abord rapidement qu'on ne m'avait pas confisqué mon fauteuil. Je le vis dessinant au tableau une espèce de schéma formé de trois carrés juxtaposés. Au bout de quelques instants, tout le monde était là et, les bavardages ayant cessé, il commença. Aujourd'hui, nous allons aborder la PES. Pour la plupart d'entre vous, je crois y avoir déjà fait allusion. PES signifie Perception extrasensorielle. Il n'y a rien à redire à cela, mais dans la méthode Silva, nous donnons à ces initiales une petite dimension supplémentaire. Pour nous, en effet, PES signifie Projection effective sensorielle. C'est dans ce dernier mot que réside toute la différence. Au lieu de nous contenter de percevoir ou de voir, nous nous projetons. La conséquence est que nous percevons beaucoup plus et beaucoup mieux puisque nous allons directement sur place. Comment y allons-nous Par la projection. Cela veut-il dire que nous allons nous livrer à ce que les parapsychologues appellent des expériences hors du corps Eh bien, oui et non. Il est plutôt rare que le psychisme tout entier se sépare du corps. Pour y arriver vraiment, il faut une très grande pratique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je considère les expériences hors du corps comme une forme particulièrement poussée de ce que nous faisons dans la méthode Silva avec la projection sensorielle. Par chance, la plupart des objectifs que nous nous proposons ne nécessitent absolument pas une expérience aussi spectaculaire. Pour nous projeter, nous nous servons de l'imagination. Autrement dit, il vous suffit d'aller à votre niveau et de visualiser que vous vous projetez à l'endroit désiré. Pour ce faire, quittez-vous vraiment votre corps Peut-être, au moins en partie. Pour répondre vraiment à cette question, il faudrait d'abord savoir ce que c'est vous. Qui est ou qu'est-ce que c'est que le vous qui a quitté votre corps dans la projection, il se passe quelque chose. Vous n'êtes pas simplement assis là à imaginer que vous allez quelque part. Quand vous vous projetez, on ne voit rien de spectaculaire et vous n'aurez pas cessé un instant d'être assis sur votre chaise à faire marcher votre imagination. Et pourtant, vous pouvez recevoir des informations que votre imagination seule ne saurait vous fournir. Un instant. Je me sentis en proie à deux sentiments plutôt contradictoires d'un côté je frémissais d'impatience à l'idée de ce qui allait apparemment suivre mais de l'autre j'avais envie de dire à Bert allons arrête de te moquer de nous pourtant je continuais de l'écouter fasciné je crois que l'un des exemples les plus intéressants de ce dont je vous parle est une expérience qui a été reproduite un grand nombre de fois au siège de la méthode Silva, à l'Aredo. Il alla au tableau où il avait dessiné un schéma semblable à celui-ci. Salle 1, homme et expérimentateur. Salle 2, homme et femme. Salle 3, femme et expérimentateur. Nous avons ici trois salles numérotées 1, 2 et 3. Elles ne communiquent entre elles que par l'intermédiaire du couloir. Dans la salle 1, se trouve un homme et un expérimentateur. Dans la salle 3, une femme et un autre expérimentateur. Ni l'homme de la salle 1 ni la femme de la salle 3 ne savent ce qu'il y a dans la salle 2, à savoir un homme et une femme. À part eux, la pièce est tout à fait vide. Chacun des deux expérimentateurs demande à son sujet d'entrer à niveau et de se projeter dans la salle 2. Pour cela, les expérimentateurs recourent à une procédure standard à peu près la même que nous utilisons ici. Les sujets ont déjà une certaine pratique de la méthode Silva. Au bout d'un moment, on demande aux sujets de lire ce qu'ils ont vu dans la salle 2. Burt sourit. Vous pensez évidemment que je vais dire tous les deux ont vu un homme et une femme. Ce serait déjà en soi un résultat assez remarquable, puisqu'ils ne savent absolument pas au départ ce qu'il y a dans cette salle. Mais, si c'est ce que vous pensez, vous vous trompez. Ils ont vu davantage. L'homme de la Salle 1 rapporte qu'il a vu un homme et deux femmes et la femme de la Salle 3 a vu une femme et deux hommes. Burt marqua une pause, tandis que dans le silence général, chacun se pénétrait de la signification de ces paroles. L'homme de la Salle 1 a t-il réellement projeté dans la salle 2 quelque chose de lui-même que la femme de la salle 3 ait pu voir ou sentir Nous n'en savons rien. Il paraît clair qu'il y avait quelque chose, puisqu'elle l'a vu, mais ce n'était pas décelable par les moyens ordinaires. Quand on travaille dans le domaine psychique, il est bien rare que ce qu'on trouve puisse être mesuré avec une règle ou pesé sur une balance. Vous avez sans doute entendu parler des expériences de RIN à l'université Duke qui ont prouvé statistiquement et sans aucun doute possible la réalité de la perception extrasensorielle. Il s'agit de ces expériences faites avec des jeux de cartes portant un certain nombre de dessins répertoriés. Quelqu'un regarde une carte et se concentre sur elle pendant qu'une autre personne, à une certaine distance, essaye de deviner à quelle carte pense l'émetteur. Il a été prouvé de manière concluante que sur un grand nombre d'expériences, le nombre de suppositions correctes était bien supérieur à ce qu'aurait permis le simple hasard. Il s'agit là évidemment d'une forme de perception psychique. L'image de la carte apparaissait quelque part dans un coin du cerveau du récepteur, un coin qui ne sert pas souvent dans la vie courante. On peut supposer mais ce n'est pour le moment qu'une hypothèse, et cette faculté mentale actuellement très peu utilisée se renforce avec le temps et la pratique. Il n'est donc pas vraiment extraordinaire que l'homme et la femme de nos salles 1 et 3 aient pu voir, par la perception extrasensorielle, le couple de la salle 2. Ce qui est important, c'est qu'ils aient vu une autre personne. Dans ce cas, il est indéniable qu'il y a eu, on ne sait trop comment, une sorte de projection. Cela va plus loin que lire des cartes par clairvoyance, et à mon avis, on ne fait là qu'effleurer un domaine bien plus surprenant que tout ce que peuvent supposer aujourd'hui, même les physiciens les plus optimistes. D'ailleurs, je crois qu'on est loin d'en savoir assez. Aujourd'hui, pour seulement concevoir tout ce qui doit être possible dans le domaine de l'esprit, pendant ces deux derniers jours, nous allons achever d'assembler notre Volkswagen bleu. Et je crois que vous comprendrez un peu mieux, alors, de quoi je veux parler. Une autre expérience a été faite à Laredo, avec deux enfants. Les enfants accrochent beaucoup mieux à ce genre de choses que les adultes. Ils n'ont pas encore eu le temps d'édifier un système de croyances négatives aussi solide. Appelons ces enfants Tommy et Jackie. Ils sont dans deux pièces séparées, chacun accompagné d'un expérimentateur. Dans la salle 1, l'expérimentateur fait entrer Tommy à niveau, puis il lui demande de visualiser un jouet, n'importe lequel, et de jouer avec. Au bout d'un moment, il lui demande quel jouet il a choisi. Tommy répond que c'est un camion vert, avec des roues rouges. L'expérimentateur lui demande de rester à niveau. Et de continuer à jouer avec ce camion. Pendant ce temps, l'expérimentateur de la salle 2 fait entrer Jackie à niveau, puis il lui demande d'aller subjectivement dans la salle 1, où se trouve Tommy. Au bout d'un moment, l'expérimentateur demande à Jackie, qui est toujours dans la salle 2, bien sûr, ce qu'il fait. Le garçon répond qu'il joue avec Tommy. Avec quoi jouez-vous tous les deux? Un jouet, répond Jackie. Quelle sorte de jouet Un camion, répond Jackie. Un camion vert avec des roues rouges. Dans la salle, plusieurs personnes sursautèrent visiblement. Une situation intéressante et un mystère. Tommy avait il vraiment créé ce camion dans un autre plan de la réalité, un plan dont nous ne savons rien Et Jackie y avait-il rejoint pour jouer avec ce camion Sinon, que s'est-il passé Ces deux histoires que je viens de vous raconter sont une étape intermédiaire importante avant que vous commenciez vous-même à vous projeter. Si je vous avais dit tout de suite que vous alliez projeter votre esprit, par exemple, disons dans la tête de votre chat, vous auriez pensé que j'étais fou, et vous aussi, pour m'avoir écouté. Je me mis à rire tout haut. La tête de mon chat, vraiment Cette sale bête me supporte déjà tout juste en temps normal. Soudain, je m'aperçus que j'étais seul à rire et que les têtes commençaient à se tourner vers moi. Gêné, je mis la main devant ma bouche et je toussotai deux ou trois fois, histoire de bien persuader tout le monde que je n'avais pas fait autre chose. Bert me jeta un coup d'œil et dit à la classe. Et notre sceptique de service n'a encore rien vu. Redevenant sérieux, il reprit ⁇ Dans un instant, je vous amènerai à votre niveau et vous ferez votre première PES, le P signifiant projection. Après nous avoir rapidement expliqué ce qu'il allait faire, il entama la procédure habituelle pour entrer en état alpha. Les suggestions d'approfondissement terminées, il nous demanda de nous projeter dans notre salle de séjour. Nous devions nous imaginer debout, au milieu de la pièce, face au mur sud. Je me vis donc debout dans mon salon, tourné vers le cheminée qui occupait à peu près tout le mur sud. Comme on le demandait, je regardais en esprit chaque détail. Les objets sur le dessus de la cheminée, les pierres du foyer, etc. Puis on nous demanda d'entrer dans le mur. Selon les explications préalables de Burt, nous devions imaginer à quoi le mur ressemblerait si nous étions effectivement à l'intérieur. Comme il n'y aurait pas beaucoup de place, nous serions probablement obligés de nous rapetisser considérablement. Ce n'était pas un problème, puisqu'au niveau mental, on peut pratiquement tout faire. Je pris mon élan et sautai vers le mur, en même temps que je réduisais ma taille à quelques centimètres. Bing! Je me retrouvais, moi, tout petit, gisant sur le tapis devant la cheminée. Un peu comme dans ces dessins animés, où quand le personnage reçoit un coup sur la tête, tout se met à vibrer comme un diapason. Je n'avais pas prévu que mon mur sud, avec sa cheminée et ses pierres, était solidement maçonné. Sans me laisser abattre, et curieusement sans avoir quitté mon niveau je me remis sur mes pieds et entrepris de réfléchir au problème un peu plus tard nous nous projeterions pour de petits voyages dans diverses substances dont plusieurs métaux mais ne le sachant pas encore à ce moment-là j'avais présumé qu'il était impossible d'entrer dans la brique je levai les yeux vers le plafond juste au-dessus de la cheminée tout là-haut et me disant que cela ne changerait probablement pas grand-chose, je décidai d'y entrer. Je savais que là, au moins, il n'y avait pas de briques. Et j'imaginais que je me retrouverais debout sur une plaque de plâtre, entourée de gigantesques traverses de bois, de cinq centimètres par vingt de section. Je me trompais. Je flottais joyeusement jusqu'au plafond, et, sans plus de peine que Casper, le fantôme, traverser le plâtre du plafond, en prenant garde de ne pas me cogner dans les traverses. Mais au lieu de ressortir à l'air libre, je me retrouvais en plein dans une chose absolument épouvantable, dont je ne pouvais même pas imaginer que c'était le pire. C'est que cette chose entrait dans mes poumons et m'étouffait. Au prix de mille efforts, je réussis à ne pas céder à un accès de tout qui, en même temps que moi, aurait fait sortir toute la classe de son niveau. Avec le peu de présence d'esprit qui me restait, je retraversai le plafond et descendis me poser sur le dessus de la cheminée, où je restais à méditer le cuisant échec de ma première tentative d'entrer dans le monde magique de la projection mentale. Dès qu'on nous ramena au niveau bêta, je cessai enfin de me retenir de tousser. Et, avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, je fus pris d'une véritable quinte spasmodique. Le brouhaha des conversations cessa, tout le monde me regarda. Quand mon accès de tout fut enfin calmé, je m'essuyai les yeux et racontai ce qui m'était arrivé. Au moment de raconter ma traversée du plafond, je fus repris d'une toux violente. Quelqu'un s'écria, vous êtes entré dans l'isolation. C'est vrai. Chez moi, tout le plafond est recouvert d'une épaisse couche d'isolant. Chaque fois que je monte dans mon grenier, je me mets à tousser. Tout cela était-il un pur produit de mon imagination Peut-être. Je connaissais l'existence de cette isolation, seulement je n'y avais pas pensé sur le moment. C'est alors que Bert nous raconta ce qui était arrivé à un participant à un précédent cours. Il venait d'entrer dans son mur sud et regardait autour de lui. Au fait, il n'y a rien de magique dans le fait d'être capable de voir dans un endroit privé de lumière. Lorsqu'on voit par l'esprit, on n'est pas limité par le système de perception de la lumière, de la vision physique. Il remarqua un petit objet blanc, loin au-dessous de lui. Il descendit vers cet objet pour le regarder de plus près. C'était le squelette d'une petite souris. En rentrant chez lui ce soir-là, il perça un trou à l'endroit où il pensait être allé. Il avait de toute façon l'intention de rénover ce mur. Et, de fait, il y trouva un squelette de souris. Alors, imagination Quelqu'un demanda pourquoi on avait choisi le mur sud. Burt répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière. N'importe quel mur faisait l'affaire. Mais il fallait bien préciser, afin que nous n'hésitions pas, une fois à notre niveau, sur le choix de tel ou tel mur, quand toute notre attention devait se concentrer sur l'action d'y entrer. Cependant, Burt m'expliqua par la suite qu'il y avait une autre raison à ce choix. José en parle dans son cours avancé, mais il donne aussi quantité d'autres informations et sorties de son contexte, cette explication n'a guère d'intérêt. Burt nous informa que nous passerions une grande partie de la journée à nous projeter dans diverses substances, d'abord inanimées, plusieurs métaux, puis dans la matière animée, une feuille, enfin dans le règne de la matière animée dotée d'une intelligence reproductrice. Dans ce dernier cas, nous commencerions par un animal domestique, pour finir par un être humain. Et tout à coup, je sentis que mon vieux système de croyances concernant ce domaine commençait à se ramollir comme de l'archile imbibée d'eau. Vers le fond de la salle, un homme d'un certain âge demanda à quoi toutes ces choses pouvaient bien servir. Entrer dans un métal, etc. Burt répondit que nous étions en train de mettre en place des points de référence subjectifs. Pour le moment, cela ne me disait pas grand-chose. Et en tout cas, je ne voyais pas ce que cela m'apporterait d'essayer d'entrer dans un bout de laiton. Sentant, probablement, que je n'étais pas le seul à penser cela, Burt nous donna quelques explications. Lorsque nous aurions fait l'expérience d'entrer dans un métal, par exemple, cette expérience nous servirait de point de référence quand par la suite nous voudrions entrer subjectivement dans un objet plus complexe. Par exemple, un moteur de voiture. Il nous raconta comment une dame, qui avait suivi le cours quelques mois auparavant, avait mis en application ce principe. Le soir même du jour où elle avait fait ses exercices, elle décida de jeter un coup d'œil dans le moteur de sa voiture. Depuis quelque temps, l'embrayage automatique avait des problèmes. Mieux, un spécialiste lui avait assuré que la réparation coûterait plusieurs centaines de dollars. Elle alla à son niveau et commença à chercher ce qui clochait dans le moteur. Ne sachant pas trop où finissait le moteur et où commençait la boîte de vitesse, elle avait décidé de tout englober sous le terme de moteur. Curieusement, en voulant entrer dans le moteur, elle sentit une certaine résistance. En revanche, elle se sentait attirée vers un autre endroit à l'extérieur du moteur. Elle se détendit et se laissa guider. Alors, elle vit en esprit un petit bout de tuyau en caoutchouc. Apparemment, le problème était là. En se concentrant quelques instants sur ce tuyau, elle s'aperçut qu'à un certain endroit, il était aplati. Le lendemain matin, elle alla soulever le capot de la voiture. Elle ne savait absolument pas à quoi servaient tous ces enchevêtrements de conduite, tuyaux flexibles, câbles électriques, etc. Mais elle se souvenait de l'endroit qu'elle avait repéré la veille. Elle regarda, et de fait, dans tout ce fourbis, il y avait bien le fameux petit tuyau en caoutchouc, tout aplati. Son instinct, ou tout simplement le bon sens, lui disait que ce ne devait pas être normal. En se rendant au cours, elle trouva une station service ouverte. C’était un dimanche matin et s’y arrêta. Elle montra le tuyau aplati à l'employé, qui, comme elle, trouva que ce n'était pas normal ajoutant qu'il devait s'agir d'un tube à vide allant vers la boîte de vitesse. Les boîtes de vitesse automatiques sont souvent actionnées par le vide du carburateur. Il ne lui fallut pas plus de quelques minutes pour changer le tube et la réparation coûta la somme mirifique de 50 cents. Après quoi la dame constata, pour sa plus grande joie, que l'embrayage fonctionnait de nouveau parfaitement. Burt nous raconta une autre histoire dans le même ordre d'idées mais tout à fait différente dans les détails. Elle concernait Charles Steinmetz, le génial électronicien à l'origine de la Générale Électrique. Il y a très longtemps, dans les années 50, une société l'appela un jour pour un problème de panne d'ordinateur. Les ordinateurs des années 50 n'avaient pas grand-chose à voir avec ceux d'aujourd'hui, les transistors n'étant pas encore inventés, ils fonctionnaient avec des tubes à vide. Et il fallait une salle entière pour contenir l'équivalent d'une calculatrice de poche actuelle, et une autre salle pour loger le système de refroidissement nécessaire pour rendre supportable la chaleur dégagée par tous ces tubes. Ces premiers ordinateurs, ne connaissant pas non plus les circuits imprimés, il y avait là-dedans une véritable jungle de fils électriques. Le problème que Steinmetz était appelé à résoudre, se situait donc quelque part dans ce gigantesque labyrinthe. Tout le monde pensait qu'il lui faudrait des semaines de travail. Avec sollicitude, on lui proposa tous les équipements et la main-d'œuvre dont il pourrait avoir besoin. Mais il se contenta de demander qu'on lui apporte un lit de camp et qu'on le laisse seul dans la pièce. Un peu plus tard, disons au bout de quelques heures, il rappela les gens de l'entreprise et leur indiqua un endroit où un fil mal soudé s'était déconnecté. Une fois cet unique fil réparé, le gigantesque ordinateur, ayant retrouvé vie et santé, se remit à bourdonner. Nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu'avait fait Steinmetz, et la méthode Sylvain n'existait pas encore. Mais on peut supposer que, sur son lit de camp, il s'est tout simplement relaxé physiquement et mentalement, et qu'il a laissé son mental subjectif faire le travail, comme la dame de tout à l'heure avec son moteur. Dans le cas de Steinmetz, bien sûr, il avait déjà des points de référence acquis au cours de nombreuses années d'expérience des équipements électriques. Pour nous préparer à notre incursion dans le règne des métaux, Burt fit circuler plusieurs échantillons de quatre métaux différents. Cuivre, plomb, acier inoxydable et laiton. C'étaient de petits cylindres de moins de deux centimètres de diamètre et à peine plus haut. Chacun les manipula afin de se faire une idée des sensations possibles. Ensuite, après nous avoir amenés à notre niveau, Burt nous demanda de nous faire tout petits et même microscopiques pour entrer dans le premier métal, le laiton. Personnellement, je n'avais aucune idée de ce que cela pourrait donner. Étais-je seulement capable de faire une chose pareille J'étais à un niveau assez profond, et je me voyais certes sur mon morceau de laiton, devenu grand comme une ville. Mais pas moyen d'y entrer. Je n'arrivais pas à imaginer à quoi ça pouvait ressembler là-dedans. Tout ça était parfaitement absurde. Je commençais à me sentir un peu découragé. Subitement, je pris conscience de ce que j'étais en train de faire. Je m'imposais des limites en cherchant à rendre parfaitement rationnelle une expérience aussi fantaisiste que celle d'entrer dans un morceau de métal. Je me laissais décourager par l'idée de ne pas savoir à quoi pouvait, devait, ressembler ce métal vu de l'intérieur. Au diable tout cela! Burt nous l'avait pourtant dit clairement. Le but, c'était de se servir de l'imagination. Il fallait se laisser aller. Laisser marcher son imagination. À ce moment-là, je me souvins d'une nouvelle que j'avais lue bien des années auparavant, quand je me passionnais pour la science-fiction et le fantastique. Je me rappelais même son titre, La fille de l'atome d'or. C'était l'histoire d'un savant qui avait découvert un moyen de réduire la taille de son corps. Lors de sa première expérience, il se retrouva sur la table, près de la bague en or qu'il venait d'ôter. Comme il rapetissait toujours plus, il put bientôt entrer dans la structure cristalline du métal or. Exactement ce que j'essayais de faire. Dans cette histoire, je me souvenais particulièrement bien du moment où le savant escaladait les falaises et parcourait les vallées de l'anneau d'or. Il finissait par rencontrer un peuple parfaitement semblable à nous et tombé amoureux d'une princesse. Je passe sur les autres aventures où il sauvait la jeune fille, etc., etc. Toutes ces choses étaient bien sûr parfaitement impossibles selon les lois de la physique actuelle, mais cela n'avait pas empêché l'auteur d'inventer cette histoire, ni moi de la lire avec le plus grand plaisir. Tout cela pour dire que lorsque nous agissons dans le monde physique, nous sommes contraints par ces règles. Par exemple, si vous avez besoin de desserrer un écrou et que la seule clé dont vous disposiez soit trop petite, vous êtes fichu. Vous ne pouvez rien faire pour changer cette situation. Mais, dans le monde de l'esprit et de l'imagination, il n'existe aucune restriction. C'est vous seul qui fixez les limites. Même si elles ne devaient servir qu'à cela, la méthode Sylva aurait au moins l'avantage d'aider l'esprit à se libérer de ses entraves. Si cet auteur avait pu des années plus tôt s'affranchir des règles de la physique quantique, je pouvais bien en faire autant. Bientôt, je gambadais joyeusement à l'intérieur de mon bout de laiton, entre les rochers pointus et les crevasses. Malheureusement, je ne rencontrais pas la moindre jeune fille, princesse ou roturière. Après le laiton, nous entrâmes toujours à notre niveau dans les autres métaux ce qui grâce à ma nouvelle attitude de mépris de la physique ne me posa plus aucun problème dans l'acier inoxydable je me promenais entre de grandes hampes de métal aussi fines que des aiguilles certaines étaient bleues à l'extrémité comme si on les avait chauffées dans le cuivre c'étaient d'immenses grappes suspendues de disques en forme de cloche le tout d'une belle teinte rousse le plomb me parut fort désagréable. Je n'y retrouvais pas la liberté de mouvement qu'offraient les autres métaux. Ce n'était qu'amas d'un gris terne tassé les uns contre les autres, laissant à peine le passage entre eux, et l'odeur était déplaisante. Quand l'exercice se termina enfin, j'avais presque une sensation de lassitude physique. En même temps, je triomphais. D'abord, pour la première fois, j'avais réussi à dépasser le puissant système de croyance qui, en temps normal, me tient solidement attaché au rationnel. C'est peut-être pour cela qu'avant de trouver les points de référence dont parlait Burt, j'avais eu besoin d'un autre point de référence. Autrement dit, ces exercices préliminaires n'étaient qu'un premier pas vers des processus bien plus complexes. Par exemple, la guérison psychique à laquelle Burt avait déjà fait plusieurs fois allusion, et pourtant si simple que fut ce premier pas, c'était encore trop pour moi. Avant de pouvoir le franchir, il m'avait fallu une étape encore plus élémentaire. Le souvenir de cette histoire qui se déroulait à l'intérieur d'un anneau d'or avait donc été pour moi le point de référence nécessaire pour trouver ma propre façon d'entrer dans un morceau de laiton. Qui sait, Peut-être cette expérience servira-t-elle un jour de premier point de référence à un lecteur connaissant les mêmes ennuis. L'exercice suivant devait être notre première expérience avec la matière vivante sous la forme de deux feuilles. Cette fois encore, Burt fit circuler des échantillons afin que nous les examinions. Quand ce fut mon tour, je cherchais dans ma mémoire ce qui pourrait me servir de premier point de référence, si jamais j'étais encore confronté au même problème. Aussitôt, je me souvins que j'avais eu un microscope étant enfant. Sans être un vrai microscope de laboratoire, il remplissait tout à fait honorablement ses fonctions, et à coup sûr, parmi les nombreuses substances qu'il m'avait permis d'observer, il y avait un nombre considérable de feuilles. Ce que je préférais c'était les écraser sous la lame de verre pour pouvoir distinguer les cellules. Aujourd'hui encore, je me rappelle parfaitement à quoi elles ressemblaient. J'avais donc un point de référence idéal. Je ne saurais jamais si j'aurais pu m'en passer, mais toujours est il que cette fois ci le souvenir des petites cellules vertes et des petits morceaux de feuilles baignant dans leur liquide sous la lentille du microscope me fit plonger tout droit au cœur de notre feuille. Je ne sais pas si les feuilles ont vraiment, comme nous, des veines où circulent la chlorophylle et les éléments nutritifs, mais ma feuille, elle, en avait. Et j'étais dans ces veines, nageant la brasse à travers les petites cellules vertes. À noter que le but était de nous faciliter la tâche lorsqu'il s'agissait de suivre subjectivement la circulation du sang. Toujours les points de référence. Pour l'exercice suivant, nous devions nous servir de notre animal favori. Une fois à niveau, nous devions projeter l'animal sur notre écran mental. La couleur du fond changerait plusieurs fois, de façon que la couleur de l'animal, ou de tout objet projeté, ressorte de façon différente. En fait, bien que je ne l'aie pas encore dit, nous avions déjà fait cela. Ainsi que certains autres détails qui vont suivre avec les métaux et les feuilles. La première couleur était le noir, suivi du vert, du rouge et du bleu. Puis on revenait dans l'autre sens jusqu'au noir. Burt nous lut la formule suivante. À présent, votre animal est sur votre écran mental. La couleur de l'écran est noire. Votre animal vous fait face. Notez comme l'animal se détache sur le fond noir. Je retins à grand peine un éclat de rire. L'animal en question c'était mon chat qui est d'un beau noir de charbon. Tout ce que je pouvais donc voir sur ce fond noir, c'était une paire d'yeux dorés qui me considéraient avec stupéfaction. Mais qu'est-ce que je fabriquais? Il n'allait tout de même pas se laisser faire comme ça. Quant aux autres couleurs, elles lui seyaient à merveille. Surtout le rouge. Quand je l'eus tourné dans tous les sens et observé sous toutes les coutures, je l'approchais de moi suffisamment pour pouvoir le toucher. C'est là que les choses commencèrent à se gâter. On nous demanda de tenir la tête de l'animal entre nos mains et de concentrer notre attention sur son front. Puis il fallut entrer dans la structure osseuse de la tête. Je dois reconnaître qu'à ce stade, je faillis rendre mon tablier. Bien sûr, je m'attendais à tout cela, puisque Burke nous avait expliqué l'exercice à l'avance. Je savais donc ce qui viendrait ensuite serait l'entrée dans le cerveau, et ce n'était pas fait pour m'encourager. Finalement, je me rappelais que, la fois précédente, cela m'avait bien réussi d'envoyer au diable la physique, et bravement je plongeais. Ce n'était pas si terrible. Ayant déjà vu des représentations d'os, sans compter tous ceux, pas de chat, que j'avais croqués, je savais mes points de référence. Que les os sont généralement constitués d'une couche dure à l'extérieur et d'une sorte de pulpe ou d'une matière poreuse à l'intérieur. Je regardais donc autour de moi et étudiais de façon précautionneuse l'os dans lequel je me trouvais. À un moment, J'allais jusqu'à tendre la main pour toucher la moelle rouge sombre. Ensuite, prenant mon courage à deux mains, je traversais la paroi interne du crâne pour entrer dans le cerveau. Je le vois encore, d'un rose de perles, orné d'un réseau très dense de petits vaisseaux sanguins. Il était chaud et battait légèrement. À noter que je sais fort bien que le cerveau ne bat pas, à part dans les films de science-fiction, et que même les battements du mal de tête sont une figure de style, mais dans ce merveilleux petit cerveau, c'était comme ça. Je me surpris même à me demander si je ne pourrais pas lire dans ses pensées. Hélas, non. Les instructions suivantes nous demandaient de sortir de la tête et d'entrer à nouveau dans le corps, au niveau de la cage thoracique. Pas de problème, je me laissais flotter tout droit jusqu'au centre, où un bruit régulier, frappa mes oreilles. Poum, poum, poum. Les cerveaux ne battent peut-être pas, mais les cœurs, c'est certain. Si on me demandait à brûle-pourpoint quelle est la taille d'un cœur de chat, je dirais à peu près celle d'une noix. Mais comparé à ma taille minuscule, celui-là était grand comme une maison. Pendant quelques instants, fasciné, je le regardais se contracter et se dilater tour à tour, en même temps que les muscles plats qui l'entouraient se tendaient et se relâchaient. Burt nous avait averti que, bien que ne possédant pas encore toutes les techniques, nous pourrions corriger les problèmes que nous verrions éventuellement dans le corps de notre animal. Comment les reconnaîtrions-nous Nous remarquerions quelque chose qui n'aurait pas l'air tout à fait normal par exemple des taches noires à la surface d'un organe. Que faudrait-il faire alors Tout simplement prendre une gomme imaginaire et les effacer. Il arrive parfois à mon chat, lorsqu'il est tranquillement assis, mais pas nécessairement endormi, d'émettre une sorte de reniflement ou de ronflement, comme c'est le chat le mieux portant et sans doute le mieux traité du monde. Je me suis souvent demandé si ce n'était pas dû à quelque malformation. Aussi, quand nous passâmes de la région du cœur à celle des poumons, je jetai un coup d'œil dans la trachée artère, la parcourant jusqu'au cou. Mais pris dans les vents de tempête qui soufflaient alternativement dans un sens puis dans l'autre, au rythme de la respiration, je ne pus rien faire d'autre que m'accrocher. J'explorai encore un inquiétant réseau de tunnels, sans rien y distinguer d'anormal, je revins à la cage thoracique, puis entrai dans l'abdomen où j'observais la tuyauterie qui m'entourait. Que voyais-je en réalité Étais-je réellement, moi, ou plus probablement une petite tranche de moi subjectif, dans ces entrailles sans lumière, étudiant l'anatomie de mon chat dans un superbe technicolore où étais-je assis dans cette salle de cours trop éclairée à essayer de rassembler des petits morceaux de souvenirs, et ne faisais-je qu'imaginer tout cela? Je comprenais confusément que la solution de ce mystère ne me serait pas donnée tout de suite. Il faudrait un peu de temps et de patience, car la réponse viendrait avec l'expérience. Je m'attardai un moment dans cette zone. Mon esprit conscient travaillait lentement, son activité ralentie par l'état alpha du rêve, et je venais juste de décider de monter, monter, dans la couche inférieure de la peau afin de voir à quoi pouvaient ressembler les racines de tous ces poils. Cambert nous fit revenir au niveau de la conscience bêta. Dommage que je n'ai pu disposer de quelques instants supplémentaires. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de voir de près le dessous d'une peau fourrée, donc aucune référence dans ce domaine. Ça m'aurait intéressé de savoir s'il me venait quelque chose et si oui, quoi. Burt fut assailli par un feu roulant de questions, dont une particulièrement intéressante. L'animal pouvait-il se rendre compte que quelqu'un entrait en lui et allait mettre le nez dans différents coins de son corps. Oui, répondit Burt, et à titre d'exemple, il nous fit le récit suivant. Dans un précédent cours, un certain Dave avait raconté ce qui lui était arrivé lorsqu'il avait entrepris ce voyage dans son chien Killer. Malgré son nom impressionnant, Killer était minuscule. D'autre part, Dave était partisan d'une discipline rigoureuse il était très obéissant, il n'avait qu'un défaut, un goût prononcé pour le canapé, alors qu'il n'avait normalement pas le droit de monter sur les meubles. Le début de l'exercice se passa à peu près comme pour nous. Dave visualisa Killer sur l'écran de son mur sud, d'abord de face, puis en le tournant vers la gauche, puis vers la droite. Mais à sa grande surprise, quand Dave voulut entrer dans la tête de Killer, il se heurta à une résistance. C'était comme si le chien refusait de le laisser entrer. Après plusieurs tentatives, Dave renonça provisoirement et se mit à discuter avec le chien. Il lui affirma que tout irait bien, qu'il le soignerait s'il en avait besoin. De plus, il lui promit que pour cette fois, il le laisserait se coucher sur le canapé et même qu'il lui donnerait une sucrerie qui se trouvait dans la poche de sa veste posée sur le canapé. Apparemment, le chien se laissa alors attendrir, et Dave put faire sans problème toute la suite de l'exercice. Quand Dave rentra chez lui le soir, sa femme lui raconta ce qui était arrivé dans l'après-midi. Pratiquement au moment précis où Dave faisait l'exercice, elle était en train de lire dans le salon, qui leur couchait non loin d'elle, endormi. Tout à coup, le chien se leva d'un bond et se tint comme en arrêt. Puis il se tourna soudainement d'abord vers la gauche, puis vers la droite. Ensuite, il se tint immobile quelques instants, et elle crut l'entendre gronder. Puis, subitement, le chien relâcha sa vigilance, trottina vers le canapé et sauta dessus. Il regarda un instant la femme de Dave comme s'il s'attendait à une objection, mais elle était si stupéfaite de sa conduite qu'elle le regarda faire sans rien dire. Il alla à la veste de Dave, fouilla dans la poche avec son museau et en tira une friandise. Il la mâchonna un moment, puis se coucha tranquillement en rond sur le canapé. Après un nouveau regard vers la femme de Dave, il ferma les yeux et se rendormit. Imagination. En ce cas, tous les trois, Dave, sa femme et le brave Killer, avaient imaginé la même chose au même moment ce qui dépasse de très loin toutes les limites des probabilités. La seule autre conclusion possible est qu'il s'agit de l'une des rares histoires vraies de phénomènes psychiques. Rares Pas selon Burt. Un cas extrême, certes, mais, nous assura-t-il, la plupart des gens qui suivent le cours racontent que leur animal a eu tel ou tel comportement inhabituel à la suite de cet exercice. J'étais impatient d'être au soir afin d'apprendre quelle avait pu être la réaction de mon chat noir. En l'occurrence, ce fut comme d'habitude. Il m'accorda un regard amical en passant et continua ses démonstrations d'affection à ma femme, son seul véritable amour. D'autres questions suivirent par exemple. Question. Je n'ai aucune idée de l'anatomie de mon chien. Que dois-je faire? Burt. Souvenez-vous. Que ce que nous faisons ici est de nature tout à fait symbolique. Même si vous n'aviez vu l'intérieur de votre animal que sous la forme d'un amoncellement de tuyaux, de vrais tuyaux avec des coudes, des jonctions, des raccords hantés, etc., vous auriez obtenu le résultat désiré. L'important est de concentrer votre esprit subjectif par l'imagination sur un endroit, une zone. Il semblerait que le détail, de ce que vous voyez n'est guère d'importance bientôt vous travaillerez sur les êtres humains et même là une connaissance très rudimentaire de l'anatomie humaine est tout à fait suffisante question j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la craie blanche autour de certains os de ma chienne elle commence à se faire vieille douze ans et je me suis demandé si c'était de l'arthrite ou quelque chose comme ça berthe c'est très possible. Subjectivement, il y a beaucoup de chances qu'une maladie des articulations telles que l'arthrite se manifeste, comme un dépôt calcaire autour des articulations, comme c'est d'ailleurs le cas dans la réalité. Dans ce cas, il suffit de brosser ce dépôt et de le faire sauter. Question. J'ai eu envie de le faire sauter, mais j'ai hésité à disperser dans l'air une chose pareille. C'est peut-être bête. Mais je me demandais si ce serait un peu comme de la pollution. Qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un en recevait Burt. En ce cas, tout ce que vous avez à faire est de vous transporter mentalement en plein Sahara ou même dans l'espace. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite à ce que peut faire votre imagination. C'est très important. Question. Je sais bien que vous avez suggéré de prendre un chien ou un chat, mais juste pour m'amuser, j'ai voulu essayer d'entrer dans une grenouille. Mon fils en a une. Eh bien, je n'ai rien vu du tout. Cela veut-il dire qu'il est difficile d'entrer dans certaines bêtes que dans d'autres Burt, c'est une question de point de référence. Si j'ai suggéré un chien ou un chat, c'est parce que ce sont des vertébrés à sang chaud, comme nous. Et qu'ils nous sont plus familiers. Autrement dit, vous avez déjà certains points de référence. Il est probable qu'avec la grenouille, vous aviez si peu de points de référence que vous n'avez pas su par où commencer. Inversement, quelqu'un qui aurait disséqué des grenouilles pendant ses études n'aurait pas eu ce problème. Son imagination aurait eu ce souvenir comme point de référence. Question. Mais vous venez de dire, il n'y a pas cinq minutes, que ça n'avait pas d'importance si on voyait son chien rempli de tuyaux. Et maintenant vous dites qu'il faut des points de référence, ce qui signifie pour moi une connaissance préalable. Je ne comprends plus. Burt. Je parlais en général. La plupart des gens ont un système de croyance qui leur dit quelque chose du genre je ne peux pas imaginer une chose dont je ne sais rien. En réalité, comme je vous l'ai déjà dit un certain nombre de fois, Rien ne devrait limiter votre imagination, mais le fait est que quelques points de référence facilitent les choses. Question. J'ai cru comprendre que tous les défauts apparaissaient comme des taches noires. Est-ce bien ce que vous avez dit? Burt. Oh non, c'est seulement une façon dont ils peuvent se manifester. C'est peut-être la façon la plus fréquente pour les débutants, mais à mesure que votre expérience de la guérison psychique augmentera, le processus deviendra plus complexe et vous pourrez identifier les problèmes sous toutes sortes de formes. De plus, quand vous aurez aménagé votre laboratoire, nous y viendrons bientôt, vous aurez à votre disposition toute une panoplie d'instruments et de moyens pour les résoudre.